Bonjour, donc voici une petite vidéo pour présenter la nouvelle version de Flyover Maps. Donc qui vient juste d'être mise à jour. Et donc j'en ai profité pour mettre un nouveau menu et surtout pour mettre à jour Google Maps en version 2, donc qui apporte quelques modifications. Donc là on est toujours en mode free où on peut choisir en fait où est-ce qu'on veut voler. Donc là je me retrouve à Paris. Et donc là, avec la nouvelle version de Google Maps, c'est qu'on a un petit effet tilt, où en fait on est penché, vis-à-vis de la carte, on n'est pas juste en fait en aplomb. Donc toujours les mêmes fonctionnalités, donc avec la possibilité donc de prendre l'altitude, et puis de contrôler bien sûr la direction avec donc tout simplement l'accéléromètre ou le gouvernail. Alors là ici on est sur un chargement qui est tout juste à temps j'ai envie de dire pour afficher à l'écran la carte parce qu'on affiche un mode hybride et où il y a donc tant la vue satellite que les noms des villes, les rues principales et on peut accélérer encore l'affichage en fait en n'affichant pas les noms des villes ni les noms des rues. Donc là c'est le mode free. Après, on a un mode où on peut faire des checkpoints. Donc là, on a un radar avec ici, avec les points à baliser. Et donc là, il faut le faire le plus rapidement possible, pouvoir atteindre tous les checkpoints. Je me dépêche. On peut prendre de l'altitude pour aller plus vite. Par contre, au risque de rater le checkpoint. Excusez-moi pour le cadrage de la caméra, c'est pas évident. Donc là, hop, on vient de choper un checkpoint. Donc là, il faut maintenant aller chercher les autres. Il me reste plus que 3. 2. Donc les checkpoints, en fait, c'est dès qu'on arrive dans une zone de 1000 mètres, donc 1 km. Donc là, en zoom, c'est vrai que ça apparaît un peu vite, mais c'est sympa. Allez hop, pour terminer. On a plein de gaz là, important. Hop, voilà, on l'a vu. Donc là, j'ai bien sûr mon score, et j'ai aussi donc le dernier mode qui est le mode Airlines. Donc là, on peut parcourir les 20 plus représentative ligne aérienne, les 20 lignes aériennes les plus représentatives. Hop, donc là par exemple j'ai jamais fait Los Angeles San Francisco. J'ai un affichage de la route. Tiens, j'avais un peu de son depuis tout à l'heure. Là j'ai le bruit d'avion. Je décolle, j'enlève, hop, je mets les flaps. Et c'est parti. Moi, c'est ce mode-là que je préfère. Et ce que je souhaiterais, c'est bien sûr le faire évoluer pour que ce soit plus fun à jouer, soit plus réaliste en termes de simulation. Donc, si vous avez des idées d'amélioration, pour faire en sorte que ça s'améliore, n'hésitez pas. Donc là, hop, on a vu la ville, on réduit les gaz, on réduit l'altitude, et on fait quelques tours pour atterrir maintenant à San Francisco. Donc là, on a l'affichage de la distance, là je suis plus qu'à 20 km, 15 km, 14 km. On va mettre un peu de gaz, et voilà, hop, on arrive. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas donc à tester.